Bon, voilà. Il y a assez peu d'endroits où accrocher l'extracteur. Du coup, j'ai pas pu mettre la troisième griffe. J'ai mis 70 newton-mètres. Bon, je vais dégraisser. Alors on peut voir des choses intéressantes. SKF France. CM. Et 1311. Là, c'est dans les bonnes infos. Après, les choses un peu plus chiantes. Là, il y a un pet. Si je veux sortir le roulement, j'ai plutôt intérêt à mettre un coup de Dremel sur ce truc. Et ensuite, le truc vraiment, vraiment embêtant, une fois que j'ai dégraissé en dessous, il y a de la casse. Ça, par contre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me casse bien les couilles. Pas grand chose à cette distance. Suis pas sûr que ce soit très précis. 55. Là, je pense que c'est anecdotique parce que je pense que je suis dans les chanfreins. C'est 120 quoi. Sais plus combien dit la doc, mais je crois que c'est 55-120.
dirais virgule 1 ou virgule 2. Bref. Là, je vais essayer de meuler le rebord là. Ici. Bon, c'est un peu mieux. J'ai un petit peu frotté sur le roulement, mais ça va, c'est rien. Au moins, s'il devrait sortir un peu plus facilement. Il y a eu un mouvement, l'impression. Là, je suis à 84 Nm. Ah, il y a de l'arbre qui tombe dans le roulement. Non. Oh putain! Non! Ah, ta mère! Ça a chié. Moi, j'ai appelé. J'ai appelé un ami. Putain, l'enfoiré! Putain, fait chier là! Tracteur et tire.
Je suis à combien? 98? À 112. J'ai retiré ce morceau là dans le centre de l'arbre. Ah oui. En train d'esquinter l'arbre. Au moins l'extracteur est solide, mais bon. Un truc qui vient que je viens de me rendre compte, c'est que cette clavette elle bouge là. Putain, elle bouge plus ou quoi? Ouais, voilà. Elle bouge.